Bien quoi les gars, c'est Nation. On va se faire une petite activité en groupe. Donc là j'ai mes gars avec moi, j'ai donc dans mon groupe Mr. Flowers, Smuggle et Comface. Donc on est dans une session remplie de joueurs normalement, si je me trompe pas. Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Et on va se faire une escorte de caravane les gars. Donc ça, ça donne de l'honneur et un petit peu d'argent en plus. Donc on va en profiter. Première fois que je vais faire une escorte de caravane en vidéo. J'en ai fait plein hors vidéo. Des fois c'est compliqué, des fois c'est facile. Et en général, quand t'es tout seul, c'est plus facile. Là, on est à 4 au max, donc ça va être plus compliqué. Ok, c'est lancé. Donc, j'ai une caravane. Derrière, aussi, un Gava. Et la toute dernière, par contre, j'ai vu personne dessus. Là, il y a Smuggle qui cover. Si, je pense qu'il est dessus. Ouais, je crois. Ah oui, changer de conducteur. Je vais prendre... Donc là, les joueurs, ils peuvent nous attaquer. Allez, c'est parti. Là, faut tracer. Et dès qu'il y a des ennemis, donc il y aura des ennemis PNJ. À ce moment-là, il faut faire changer de conducteur pour les déglinguer. Ou alors, si vous êtes chaud en tir, vous pouvez continuer de conduire et les tuer en même temps. Et bien sûr, les autres joueurs peuvent vous voler les caravanes. Oh, PNJ, 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 PNJ. Faut les... Attends, faut cover. Oh, excuse, Smuggle, pardon. Je l'ai fait tomber. J'espère qu'ils s'en sortent derrière, là. Donc, les roues sont bleues en haut, et si tu vois une roue blanche, ou grise, je sais plus, bon, en tout cas, qui est plus bleue, c'est que le conducteur est mort, que la caravane est vide, que personne la roule. Donc, quand tu vois ça, c'est qu'il faut retourner vite en arrière la chercher. Et quand elle est rouge, eh ben, c'est qu'un ennemi l'a pris. Donc là, c'est que c'est forcément un joueur, parce que les PNJ vous voleront pas votre caravane. Des fois les trajets sont super longs, des fois ils sont pas longs, et là ça arrive encore. Je le vois pas. Ok, ok, ok. Ok, il y en a beaucoup là. Merde! Voilà, c'est ça le problème quand on regarde pas la route. J'ai tué les chevaux, je crois. Ça craint. Ok. Ah non! Ah, elle est morte! Je l'ai cassé les gars. C'est ma faute. Attends, ça va pas du tout. Voilà, donc ça c'est une grosse erreur que j'ai fait, c'est de pas... En fait ils sont arrivés d'un coup, je m'y attendais pas, du coup j'aurais dû changer de conducteur. Pendant que je tirais. Ouais, j'ai voulu faire les deux en même temps. Des fois, enfin souvent j'y arrive, mais là y avait un petit rocher qui m'a renversé, la route était trop étroite. Donc là ma faute, bon, du coup je vais passer à la cover. Donc là on va les laisser rouler. Je vais peut-être monter sur celle de devant pour la conduire, je pense. Ouais. Hop là, j'arrive. Non, attends, c'est pas ça que... Ok. Ok, je prends les rênes, mon pote. Derrière. Ok, stop, ça arrive derrière. C'est quoi, changer de conducteur? Mais non, mais conduis, mec. Ah putain, ça a pas marché. Vas-y, conduis. Ok, là ils sont morts, on rechange. On appelle le cheval pour qu'il suive. Ah, je suis deg d'en avoir cassé une, vraiment, j'en ai jamais cassé avant. Combien de fois je l'ai fait cette mission tout seul, j'ai jamais cassé, et là j'en pète une. Go, go, go. Ok, on est arrivé, tranquille, on a réussi. Bon, du coup, 2 sur 3, ça rapporte combien? J'ai gagné 1 $, 10, 55 XP. Et là, avec la mission terminée, on va voir. 9,40 $, 214. Ouais, c'est déjà mieux. Là, le problème, c'est qu'on peut pas relancer une tout de suite. Ah, super! On peut rejouer une mission, et comme j'ai mon groupe, je vais les inviter, ils vont gagner pas mal. Parce que ils sont assez bas niveau, j'ai vu il y a un niveau 5, un niveau 6. Et en lançant ça, ça va leur faire gagner un peu de trucs, c'est la toute dernière mission. Voilà, regardez, attendez. Joueur, voilà, niveau 5, niveau 7. Smuggles, il est 16.
Donc ça va leur faire gagner pas mal. Vous allez voir, vous allez, je pense que vous allez kiffer cette mission. En plus, elle est vraiment pas mal. Bon, faut qu'ils fassent gaffe parce qu'on perd de la vie facilement. Elle est pas hyper facile non plus. Bon, là, je leur fais faire une mission qu'ils ont pas débloquée normalement. Donc, je les spoil un peu. Ok, mission lancée. Donc là. Hop. Venez, les gars. Faut juste suivre le mec. Bon, je sais déjà où il faut aller. Donc, je vais tracer. Comme ça, on va passer ce moment. Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Donc pour cette mission, ceux qui connaissent pas, il faut attaquer fort... Comment il s'appelle ce fort déjà? Bon, regardez, j'y arrive. On est HAL, mon gars. Bon là, les gars, pour ceux qui savent pas, on va se transformer en machine de guerre. Pour ceux qui veulent pas être spoil de la mission, partez. Mais là, on va se transformer en machine de guerre, vous allez voir, on aura une armure. Et voilà, regardez, on a une armure. Même un saut sur la tête. Donc là, ça va yesh. On peut pas faire de saut sur le côté ni sprinter. Par contre, faut se cacher, hein, parce qu'on perd beaucoup de vie même si on a une armure. Surtout qu'il y a un mec à la mitrailleuse tout au bout. Voilà. Ça dégage. Aïe, 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 aïe. Encore personne n'est mort, ça fait plaisir. Donc là, on peut un petit peu avancer. Sont quasiment tous morts à l'extérieur. Donc c'est Fort Mercer le fort, voilà, c'est ça. J'ai de la dynamite. Hop, ça va péter mon pote. Si. Oh, j'ai fait une. C'est ça qui est bon. Allez. Ils se tirent même entre eux, je crois. Donc attention les gars, des fois ils arrivent par surprise. Là, faut pas trop rush parce qu'ils... Putain, j'ai trop chaud dans ma combinaison là. Je pense que je vais monter. Il y a déjà Flowers qui est en haut. Nickel, nickel les gars, on avance. Moi cette mission c'est un kiff. Par contre il y aura un mec à la fin, vous allez voir, il y aura un boss. Aïe aïe aïe. Nickel. Faut me décaler là. Donc là il y a moyen de beaucoup loot aussi hein, pour ramasser à mort sur les mecs. Les mecs morts. Il y a des mecs morts de partout donc il reste des mecs en haut, je crois. Je les laisse y aller. Ouais, c'est deux mecs en haut. Ah non, il y en a un en bas aussi. Là. Tiens! Bon, il est mort.
Ok. Et là, il y a le boss. Regardez ça. C'est quoi, je vais même peut-être prendre une capture. Hop, fait plaisir. Il est impressionnant. Donc là, ce que j'aime bien, moi, c'est jouer à la dynamite. Ça me fait bien rire. Mais il y a d'autres ennemis qui respawnent, du coup. Faut se débarrasser d'eux avant. Voilà. Ah, mais j'ai plus de balles, je crois. Ouais, j'ai plus de balles là. Ah bah il est là le boss, attendez. Ce qu'il faut faire c'est s'amuser avec lui, comme ça. Voilà. Ah ouais, il est mort. Une dynamite a suffi. J'ai fait voler un pote. Regardez, 8 pépites d'or, 15$ et 247 XP, donc c'est les 8 pépites d'or qui sont intéressantes dans cette mission. Et là, on a fini la mission. Je tiens à dire, les gars, quand même, que beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y ait pas assez de missions, mais vous inquiétez pas. Aucun doute là-dessus, il y aura beaucoup, beaucoup de missions encore qui vont sortir. Déjà, chaque DLC, il y aura une nouvelle histoire ou un morceau d'histoire à faire. Il y aura toujours des nouvelles missions qui arriveront. Ça, c'est que le début, c'est les premières missions, c'était un avant-goût, en fait. Hop, adieu toi. En fait, c'était juste pour montrer comment se passent les missions dans le mode Red Dead Online, dans le mode histoire du online. Mais vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup, beaucoup encore. Après, c'est obligé ça aussi, j'en suis sûr. Il y a plein de trucs, quand on connaît bien Rockstar, je connais bien Rockstar, il y a plein de trucs, on peut être sûr, bien, bien en avance. Voilà, donne l'argent, mon gars. Et on se casse. Et voilà. Donc là, forcément, on spawn à côté du fort. Mais quand on va voir dedans, j'ai déjà été voir, il n'y a rien à ramasser, il n'y a que dalle. Il n'y a plus aucun corps. Donc ouais, il n'y a plus rien. Et ben, je crois que ce sera tout pour cette vidéo, les gars. Je me suis bien amusé, franchement. Les missions et autres activités en mode exploration, c'est toujours marrant à faire avec vous. Bien sûr, j'en fais pas beaucoup parce que je suis toujours en confrontation, mais le peu que j'en fais, c'est toujours un kiff. Donc merci à Smuggle, Comface et Mr. Flowers. Merci de m'avoir rejoint, de m'avoir aidé, les gars. On en fera d'autres, hein, de toute façon. Tout le monde est libre de me rejoindre. J'accepte tout avec tout le monde, de toute façon. Et voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les gars. Salut. Yeah. Première salve, un œuf, tu connais le secteur. J'ai tout le terrain sous mes night. Je ferai comme un arnaqueur. Ils parlent juste de one, pas de bif. Ils racontent des trucs de malade. Mon niveau, le leur trop diff. Une mesure, c'est juste une balafre. Deux mesures, coup de lame dans la hanche. Hanche, par terre, du mal à schéma. Trois mesures, les bas.